Bienvenue à tous les investisseurs du métavers. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un airdrop du token Ori. Le token Ori nous vient du jeu Orivium. Nous avons déjà parlé de ce play to earn sur l'une de nos vidéos. Vous pouvez cliquer sur le i juste au-dessus de cette vidéo pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment être éligible à cet airdrop et pouvoir vous aussi toucher des tokens Ori. Ce type de vidéo est tout nouveau pour nous. Nous n'avons pas l'habitude de vous faire des tutoriels de airdrop et autres. Mais si cela vous intéresse, mettez-nous un maximum de likes sur cette vidéo et faites-nous votre retour en commentaire. Et restez attentifs à cette vidéo car nous allons vous expliquer comment obtenir encore plus de bonus pour augmenter votre airdrop. Pour débuter, vous devez vous joindre au site tokenquest.co. Nous mettrons tous les liens cités dans cette vidéo en description et commentaire. Sachez qu'il y a énormément de scams sur la toile. Si vous voulez ne pas vous faire voler vos fonds, alors évitez de faire des recherches Google ou d'aller dans les commentaires Twitter pour rechercher vos airdrops. Donc aucune inquiétude, vous trouverez le lien de ce site web en description et commentaire et vous pourrez vous aussi participer au airdrop. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien, il va vous demander de vous connecter à votre compte X. Une fois connecté, vous avez la possibilité ici de mettre votre portefeuille Ethereum. Donc faites-le avec MetaMask par exemple, pour pouvoir débuter l'aventure. Maintenant, nous pouvons voir qu'il y a des eggs, how to play, calculate et plein de choses. Je vais tout vous expliquer dans ce tutoriel complet pour que vous puissiez faire le airdrop et le comprendre. Lorsque vous allez cliquer sur how to play, vous allez avoir les règles du jeu. Et si vous suivez ces règles avec attention, vous pourrez être éligible. Donc, je vais vous expliquer le processus du largage de Ori. Le moyen le plus simple d'obtenir le airdrop est de s'engager avec Orivium sur Twitter. Il y a deux façons de gagner des points sur Ori. En interagissant avec des tweets spécifiques d'Orivium, like, réponse, citation, etc. Mais attention, ça ne sert à rien de spam de mettre 50 commentaires sur un post. Il sera comptabilisé une seule fois. Vous pouvez aussi faire un tweet original ou une citation mentionnant Ori@Orivium comme vous pouvez le voir ici. Alors attention de bien le mettre dans l'ordre parce que Orivium va sûrement utiliser un bot ou autre pour trouver qui a participé et si vous n'avez pas mis dans l'ordre, le bot ne vous comptabilisera pas. Donc mettez bien Ori puis Orivium juste après. Et tous ces points du coup seront convertis en egg. Vous pouvez voir ici le nombre de points que vous allez obtenir. Donc 1 point par like, 2 points pour repost, 4 points, et 3 points pour Koi, donc du coup, commenter. Maintenant, on va passer à la suite. Vous pouvez voir ici les eggs. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus vous allez avoir d'eggs, plus vous allez avoir de profit lors du airdrop. Donc, il est important de bien suivre chaque jour l'émission pour pouvoir toucher énormément de tokens Ori. Et restez attentifs à cette vidéo, car comme on vous l'a dit, nous allons vous expliquer comment multiplier ce boost, donc booster encore plus vos chances d'être éligible au airdrop et surtout de gagner plus de tokens. Vous allez aller sur, du coup, toujours Token Quest et en haut à droite, lorsque vous êtes connecté, vous allez cliquer sur le petit bouton ici, Referral Code. Les Referral Codes vous permettent d'obtenir un boost, vous permettent surtout d'être plus potentiellement éligible à cet airdrop. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre le code FATSQH qui est ici, vous allez le mettre ici. Donc FATSQH, ne mettez pas votre code à vous, votre code peut être utilisé par d'autres personnes. D'ailleurs, vous pouvez mettre votre code en commentaire. Moi, j'ai eu personne qui m'a donné un code, donc je pourrais utiliser votre code à vous. Mais utilisez ce code-là, FATSQH, pour être sûr d'être plus éligible au airdrop. Une fois que vous avez mis le code, vous mettez Verify et c'est bon. Maintenant, on va parler des Daily Boosts. Donc, les Daily Boosts, ça vous permet d'avoir une interaction avec un post de Orivium et d'être encore plus récompensé. Vous allez cliquer ici. Et vous allez atterrir sur le post Orivium, donc le post Daily Boost. Chaque jour, du coup, il y a d'autres posts Daily Boost. Et ces posts Daily Boost vous permettent tout simplement de gagner plus de points que d'habitude. Donc n'hésitez pas à faire les Daily Boost pour pouvoir obtenir de plus en plus de points. Ensuite, vous avez ici le leaderboard pour pouvoir vous comparer aux autres joueurs et voir si vous faites bien les missions ou non. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez les liens de Orivium qui sont en description et commentaire de cette vidéo pour ne pas tomber sur de mauvais sites surtout et d'utiliser le code référal pour multiplier vos chances d'obtenir l'airdrop
et ensuite faites vos missions quotidiennes. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Twitter pour participer à nos airdrops, comme vous pouvez le voir ici. En ce moment, là, le 3 janvier, on fait un airdrop pour Shrapnel, donc il y aura 15 codes pour pouvoir obtenir des NFT du jeu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter pour participer à tous ces jeux. Donc Twitter X aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, car nous sommes énormément portés sur la communauté, donc nous aimons offrir des cadeaux à nos membres. Et pour finir, et si vous avez aimé cet airdrop, et j'espère qu'il vous sera profitable en token Ori, n'oubliez pas de nous liker cette vidéo un maximum pour nous encourager à continuer. Et si vous aimez du coup ce nouveau concept de vidéo airdrop, token, crypto-monnaie, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Play to Earn France.